Bonjour à tous, la semaine dernière on a réalisé ceci, plus un certain nombre de petits morceaux que j'ai déjà démontés. L'objectif d'aujourd'hui c'est de les redécouper les uns les autres et de les encastrer entre deux belles planches brutes. Il y aura peut-être un ou deux petits papillons par là. Bref, on va se faire plaisir, on va partir dans un truc totalement fou. J'ai au total plus de 60 baguettes comme ça qui sont parfois des croix, qui font parfois qui se promènent et il va falloir que je réussisse à encastrer ceci. C'est donc le plus gros fraisage complémentaire que je n'ai jamais fait. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si je vais y arriver. Rendez-vous dans quelques minutes. Vous m'avez vu tracer et en même temps, j'ai pas coupé sur le tracé là, je suis à peu près à 10 cm. Tout simplement parce que pour l'organisation future du chantier, je vais avoir besoin d'immobiliser l'une par rapport à l'autre ces deux planches. Et c'est sur longueur, ça va me permettre de venir tout simplement visser un gros morceau de contreplaqué. Et ça, ça sera essentiel pour l'intégration du caillebotti parce que ces deux planches ne devront pas bouger l'une par rapport à l'autre. J'ai pas osé le faire sortir plus. Bon, que je vous explique un petit peu ce qui est passé dans mon esprit tordu. Mon idée, c'est d'encastrer ce treillis ici. Mais alors, je ne veux pas l'encastrer en me disant je vais couper tout droit ici et le poser.
Ça serait une solution, maintenant que j'y pense, mais plutôt l'encastrer en ayant des longueurs de treillis qui soient adaptées. Bah, on voit bien que ici à droite, je n'ai pas le même écart que là. Donc ici, je vais garder quasiment toute la longueur. Ici, au niveau du gros nœud, eh bah, celle-ci va être coupée là. Celle-ci va être coupée là. Là aussi, je vais garder. Ça sera coupé comme ceci. De même que là, que ici. Etc. etc. Vous avez compris le principe. Donc je me retrouve à avoir des longueurs de baguette toutes différentes, que ce soit celles que je vais numéroter avec des nombres, que celles que je vais numéroter avec des lettres. Je vais commencer par encastrer dans mes deux plateaux qui sont immobilisés aux extrémités, qui ne peuvent plus s'écarter, ça ne peut plus se déformer. Et puis après, ben, je vais réassembler tout un par un. Donc c'est parti pour une grosse, grosse séance de patience. Arrêtez-moi la prochaine fois que j'ai une idée à la con. 120 petits bouts de rainures. Et ben maintenant, il faut en faire autant avec des petits bouts de ciseaux à bois, même peut-être on pourrait dire 240 si on compte qu'il y a deux angles à chaque fois. Ouais, ça va être très sympa, mais c'est hyper chronophage, quoi. Là, à mon avis, j'ai mis pas loin d'une heure et demie à faire la défonce, si ça peut vous donner une petite idée. Et pour info, lors du quatrième usinage, ici, eh ben, j'ai placé mon gabarit du mauvais côté du trait. Donc là, j'aurai un flipo. Normalement, j'aurais dû usiner là et je suis venu usiner ici. Bref.
c'est en rien un placement de produit parce que j'achète ce bidon. Mais comme on me pose la question à chaque fois que je l'utilise, il s'agit du liant mastic à bois Blanchon qui va me permettre, en réutilisant la poussière, de recréer un bois artificiel. Et oui, j'ai des imperfections, j'ai des gabarits de défonceuse qui ont un peu bougé, des baguettes un peu plus courtes. J'aurais aimé avoir un peu plus de précision, mais en même temps, si j'avais dû être extrêmement précis, ça m'aurait pris le double de temps. Un projet où je me suis fait extrêmement plaisir. Il y a très longtemps que j'avais pas été chercher un peu de créativité. J'étais pas très content de l'originalité de ce que je produisais. Et ici, mes lectures autour du style art and craft, mon goût pour les bords bruts, même si vous avez bien compris que je ne céderai pas à la tentation de couler de la résine entre deux planches. Il y a une sorte de réunion ici qui m'a beaucoup, beaucoup plu et j'ai hâte de vous entendre sur cette association des deux. J'ai également hâte de lire ce commentaire, cette première parmi vous qui va me dire « Oui, mais Sam, tes crayons et tes stylos vont tomber à travers. » Oui, je sais et je l'assume. Ceci étant dit, voilà. Je le redis, je me suis fait extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo va vous faire extrêmement plaisir. Manifestez-vous, envoyez une volée de pouces en l'air, ça fait super plaisir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, en tous les cas, pour tous ceux qui n'ont pas oublié de s'abonner. Allez, bye bye!